Le développement durable et le rôle des organisations multilatérales étaient le thème d'un colloque tenu au Moussem d'Asila et qui a connu un message adressé par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, élu par Mohamed Ben Issa. Le message a mis le point sur les objectifs millénaires pour le développement et ce qui reste à faire en perspective du bilan planétaire des résultats. Ce colloque est très important parce que on a dans l'agenda global des Nations Unies le changement climatique, mais aussi la lutte contre la pauvreté, le grand problème migratoire. Et je crois qu'il faut adresser tous ces problèmes dans une manière totalement différente parce que franchement, le sud du monde et le nord du monde ont été en conflit. Face à l'enjeu des changements climatiques qui deviennent de plus en plus menaçants, le monde entier est invité à conclure un accord sur le climat à l'horizon 2015. Nouvel agenda qui doit être adopté l'année prochaine à New York quand on va dépasser les objectifs de développement du millénaire et on va adopter les objectifs de développement durable. Parce que la sustainabilité, c'est garantir le futur des citoyens du monde, de la planète Terre, pas uniquement à cause de changements climatiques, mais aussi avec les inquiétudes qu'on peut avoir avec la situation sur l'eau. Le Moussem d'Asila peut toujours inspirer des actions internationales concrètes, vu le rôle considérable de la culture à unir les populations et à contribuer à la valorisation des principes de l'humanité.